Hello tout le monde, ici Azarat et on se retrouve pour l'épisode 2 sur Godus. Alors, la dernière fois, on s'était pas mal démerdé niveau développement de la ville principale, hein, la home, comme ils appellent ça, la maison. Et aujourd'hui, on va tout simplement péter des tronches. Hein. Là, ça va être, on va se concentrer sur la carte de guerre, histoire de gagner des nouvelles cartes. Histoire de se développer un peu plus. Alors je vais, par contre, je vais peut-être attendre qu'ils construisent ça. De toute façon, c'est bientôt fait, je pense. On va sortir encore quelques civils, histoire, hop, petite ressource, histoire de d'accélérer les constructions, tout simplement. Alors je tourne l'épisode 2 tout de suite après l'épisode 1. Donc les deux seront en même temps, quasiment en même temps sur YouTube. Hein, juste le temps d'upload qui. Le temps de plot qui sera en écart, quoi. Bon, vous savez quoi? Allez, hop, on y va, tout de suite, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, là, dans le chat? Oh, hi again! My first enemy! Bah, hey. En même temps, t'es toute seule. You haven't met me... Dan? Yo, ça... Allez, vas-y. Oh, merde, allez, c'est parti, on y va. Ah, je vais gagner un... Un wild man ou je sais pas quoi, ça c'est des personnages spéciaux qui peuvent peupler votre ville principale. Je sais pas trop à quoi ils servent hein, pour l'instant. J'ai juste vu un mec avec des longs cheveux roux qui se baladait. Je sais pas trop à quoi il sert. C'est parti. Ah, c'est encore... Bon allez, let's go. Oh, ça sent encore la carte de merde ça. Ça sent encore la carte pourrie. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. Oh non, ça va, là ça va être de la guerre. Alors par contre lui, je sais pas où il est positionné, mais là ça va péter là. Là ça va chier des bulles. Allez, on se développe très vite. Alors, on crée de la terre. Oh, mais non, mais je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Moi je veux créer de la terre, tête de cul. Créer de la terre, putain. Eh, il a trop de mal, je sais pas ce qu'il a, mais allez. Voilà. Ah, il y avait des petits freezes, là. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est le temps que ça se mette en route, peut-être. Du coup, il m'a tout détruit. Oh là là, il recommence, putain. Ou alors, c'est moi qui ai trop de mal, hein, j'en sais rien. C'est possible. Me connaissant, c'est possible. Hop. Voilà. Voilà, on va y aller progressivement, sans trop de faire conneries. De toute façon, on a un peu le temps. Allez. Au boulot, là. Au boulot, au boulot. Il nous faut du bâtiment. Il nous faut de la construction. Hop, on prend les ressources. Hop. Allez, on agrandit. Non, agrandir le terrain, tête de cul. Putain, il m'énerve. Hein. Non, mais ah, jamais y arriver. Allez, voilà. Voilà, voilà. Parfait. Ouais, on peut déjà commencer. On peut déjà commencer. Ah, je vais péter les arbres, ça va faire de la place. Je sais... Ah voilà, hop, ça me fera... Attends, je vais essayer d'agrandir encore, ça me fera une forteresse normalement. À moins que ce soit déjà une forteresse. Voilà, là j'aurai une forteresse. Plus il y a de place, plus les bâtiments sont gros, plus ils rapportent de ressources. Et à partir de 20 000 ressources, je vais pouvoir déclencher la guerre sainte. Et ça va être le bordel. Alors je vais essayer de me faire un maximum de population. Parce qu'il n'y a que 7 minutes de jeu. Allez. Sortez construire. Pas que ça à foutre. On prend les pierres. Allez, de la ressource. Hop. On enlève les arbres. Spamage de souris encore. Oh là là. J'aime bien la petite musique que ça fait quand on récupère les ressources. Allez. Non, putain. Oh là là là. J'ai du mal, hein. C'est moi qui ai du mal, hein. C'est moi qui ai du mal. Oh putain.
Allez, faut que j'arrête de rager. Mais ça, c'est le truc, tu te casses le cul à cliquer comme un bourrin, là, comme un... tu cliques comme un chinois, en fait. Et résultat, ben... À force, tu fais n'importe quoi, hop. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore décollé de ce jeu, là, ça va peut-être faire 2 heures que je suis dessus. J'arrive pas à m'en décrocher. Donc, je commence à avoir des petites douleurs au dos à force de cliquer. Parce que c'est un double clic pour relever le sol. Alors imaginez avec tout le sol que je relève là. Eh merde! Oh là là là. Gros débile! Allez, une forteresse là, il y a de la place. Vas-y. Voilà. Non, c'est pas encore une forteresse. J'ai dit une connerie, c'est pas encore une forteresse. T'as de la place là? Ah non, là peut-être. Donc peut-être un peu de place. Là ça devrait aller. Hop. Non? Là peut-être. Bon, je sais pas. Il a un peu de mal. Il veut pas forteresse. Tant pis, tant pis. Hop, allez. Sortez construire. Ah putain, ils sont plus nombreux que moi, j'avais pas vu. Allez, allez. Construisez, construisez. Faut se développer là. Allez, allez, allez. Il y a encore tout ça à construire là. Allez, allez, maniez-vous. Voilà. C'est bien, c'est bien. On lâche pas le bout, on lâche pas le bout. Allez! Nickel, nickel, ça se passe bien là. On les rattrape, on les rattrape. On les rattrape, allez. Allez. Allez, là, plus vite. Putain, j'ai vraiment du mal. Je suis désolé, hein, si vous êtes des joueurs de Godus et que vous voyez jouer, vous... Je dois vous faire pitié, mais un truc de dingue. Allez. Pas mal de ressources. Ça monte tranquillement. Dès que je suis plus nombreux, de toute façon, la guerre sainte commence. Là, c'est mal barré, parce que j'ai vraiment du mal hein, avec ce changement de terrain. Je sais pas pourquoi. Quand j'enregistre, ça a du mal, j'ai l'impression. Peut-être à cause de la baisse de FPS, hein. Je l'ai toujours pas changé comme un abruti, c'est pas grave. Ah là ça a l'air d'aller mieux là. Non, bah non, il me le fait à l'inverse, putain, c'est pas possible. Faut pas que je clique trop vite en fait. Si je clique trop vite, il comprend plus. Hop, voilà. C'est un peu compliqué ce système. Hop, allez. Mais, putain. J'espère pourquoi il fait ça. Pourtant je me gourre pas de clics, hein. Hop, allez, allez. Je commence à être plus nombreux. Là, c'est assez équilibré. C'est une bonne nouvelle. Je commence à le rattraper. Hop, parfait. Allez, dehors, les gars. Voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, ça commence à avoir de la gueule. Allez. Allez, mais... Pourquoi tu veux pas, toi? Oh là là. Il a du mal, il a du mal. Là, je suis à 10 000 de ressources. Je suis à 10 000 de ressources. Dès que j'ai 20 000, faut que je fasse... Faut que je fasse le... Ah, j'ai l'impression que j'ai des petits freeze et que après ça redevient fluide, je sais pas. J'espère que ça va bien donner à la vidéo et qu'il n'y a pas de soucis. Allez, 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 allez. Vous inquiétez pas, la bataille commence bientôt. Il me faut 20 000 de ressources déjà. Okay. Allez. Construisez, construisez. Voilà, je suis déjà à 14 000 de ressources, hein. Ça rapporte beaucoup de ressources en mode guerre, en mode bataille. Dès que j'ai 20 000, c'est baston, 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 baston. Allez. Hop. Y'a pas l'autre. Hop, nickel. Voilà, ça devient bon, là, ça devient bon. J'ai confiance, là.
J'ai confiance. 95 contre 83, ça sent bon. Ça sent bon. Je suis à 17 000. Je pense qu'on va balancer la sauce bientôt. Juste le temps d'atteindre les 20 000 de ressources et je crois qu'on balance. On balance tout. Par contre, je sais pas du tout où se trouve l'ennemi. Ah, j'ai récupéré les pierres aussi. Hop, je suis presque à 20 000. C'est bon, 20 000. Allez, c'est parti. On se dépêche, on est 105, ils sont 80, on en profite. Armageddon. C'est parti! Faites gloire à votre dieu! Ça va chier! Ils sont où? Ils sont juste là! Oh putain! Oh putain! Allez les gars, on y croit là, vous êtes des durs. À main nue, rien à foutre. Je leur file un coup de main. Le doigt de dieu. Ah, je peux pas l'utiliser! Ah, j'ai pas assez! Putain, il coûte 4000 en mode de guerre. Ah merde. Ok. Allez les gars. Là, ils peuvent rien faire, ils sont pas assez nombreux ici pour défendre. Allez, pétez-leur la gueule, allez, allez, allez. Oh putain, ils sont tous là. Ouais. Baston. Allez, faut avancer. Allez les gars. Ils sont 81, c'est bon. On domine. Allez, détruisez-moi cette merde. Allez. On domine. Ouais. Ça a l'air serré, hein. Les pertes ont l'air serrées. Mais je suis toujours... Yeah! Je suis toujours plus nombreux. Alors pourquoi tout est blanc, là? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez. Allez, les gars. Ils sont plus que 34, là. Massacrez-les, nom de Dieu. Oh, il y a eu des morts. Hein. Oh là. Il y a eu des morts. Allez, même les femmes, elles se battent. Allez, là. Ils sont crevés. Allez, où? Allez, là. Je vous donne un petit coup de boost. Allez, on y va. Vous êtes pas blessés. Allez. À la bataille. C'est bon. Victoire écrasante des bleus. On les a tous massacrés. C'est parfait, parfait. Ah, multiplayer opponent. Your opponent unbled by your crushing victory has decided to come and settle in your... Oh ! Mon adversaire a décidé de me rejoindre sur cette carte. En allié ou... ou en... ça me fait un peu peur en fait. Bon, on va voir. Hein. Bon, j'ai gagné des ressources. Ensuite... ah, l'argile. Il me manquait plus que ça pour le Mudbrick Lodge. Donc c'est une amélioration d'habitation. Hein. Tout ce qui est de plus simple. Mais c'est plutôt cool. Alors, ouais, je peux avoir des baraques plus larges. Ouais, c'est cool. C'est très bien. Et ensuite... de la viande. Bon. Une ressource comme une autre. Ah. Je vais pouvoir développer le minage. Alors il me faut ça. Je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai jamais eu ça encore comme ressource. Bon alors, apparemment mon adversaire a décidé... Wow, 6000. Apparemment mon adversaire a décidé de me rejoindre sur la carte. Je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce qu'il me rejoint en tant qu'allié? Le souci, c'est que j'en ai aucune idée, quoi. On récupère tout ça. Allez, nickel. Allez, bosser un peu. Hop, allez. Alors, ouais, mon allié me rejoint sur la carte. Enfin, mon ancien adversaire. Bon, je vais peut-être le rencontrer un jour, je sais pas. La carte est grande, hein. La carte est vachement grande. Il y a encore des petits totems et tout, donc ça veut dire que je vais m'étaler vraiment sur toute l'île. Enfin, si c'est une île, hein, après, ouais, il y a encore un petit totem là. Faut que ça construise, de toute façon, faut que je construise tout ça. Le deuxième hôtel, là, je sais pas trop à quoi ça correspond.
Quel endroit est en construction aussi? Là, non. Il n'y a rien à construire. Ok. Ok, bon. Ça se construit tranquillement. Hein. Hop. Ça se construit. Ils ont un peu de mal, j'ai l'impression. C'est quoi ce truc en fait? Est-ce que c'est vraiment un hôtel de. De Mount of God là, comme l'autre? Ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être le même bâtiment, donc je sais pas. Ouais, ça a l'air d'être ça. On verra bien. Allez, récupère ça. Voilà. Bon, j'ai plein de ressources, je sais pas trop à quoi ça peut me servir pour l'instant parce que bon. Le truc c'est que là, j'attends que ça se construise. Malheureusement, ils mettent trois plombes. Je vais peut-être remettre une ville. Genre ici, ou là. Ici. Hop, voilà. Ça me fera ça de gagner, ça de développer, c'est cool. Hop, toi l'herbe, tu dégages. Allez, ça développe. Nickel. Donc j'ai dépensé des diamants, là, les gemmes. J'en ai regagné 5 tout à l'heure, mais bon, si c'est 5 par 5, toutes les 4 batailles, ça risque d'être très long pour en gagner. Après, voilà, il m'en faut 70 pour en reposer un. Ouais, ça risque d'être vraiment long. Hein. Ça risque d'être très très long. Même. Alors le mec là, le sauvage là, qui veut vivre. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, voilà, c'est ça mon allié. Enfin, mon adversaire. B. Plimer. Énorme. D'accord, il m'a rejoint en tant que citoyen dans la ville en fait. Ah, c'est pas mal ça. D'accord. Là, il y a un coffre en dessous. Hop. Voilà, fais gaffe, fais gaffe. Hop, voilà. Mad Brick, ok. Nickel. Ok. Donc apparemment, je peux construire des maisons plus grandes. Ouais, 3, voilà, c'est ça. Je peux construire les grandes maisons, c'est cool. Les maisons de niveau 3, quoi, tout simplement. Bon, on va se refaire une petite bataille. De toute façon, là, ça construit, y a rien de bien intéressant à voir. Alors. Je suis là, j'ai une carte à gagner, une carte spéciale apparemment. Join the party talking card. Helping Amy, she's rubbish. Champion card, it change everything. Ok, alors là, il parle de la carte champion. Ok, donc on va avoir un autre type de villageois apparemment, plus destiné à la guerre. Ok, surtout eux qui l'ont, je pense. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Je vais commencer avec 20, 20 péons. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je sais pas, allez, go. Go, 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 on va voir ce que ça donne. Alors, je commence sur une île, d'accord. Au moins, ça me fait de la place. Allez, on va se développer. Se développer. Hop, hop, hop. On va péter les arbres déjà. Histoire d'occuper toute la place libre. Qui est ici? Et ça me fait un peu de ressources en plus. Pas grand chose, mais bon. C'est déjà ça de gagner. Voilà. Problème, c'est que c'est très long à faire. Ça. Puis c'est chiant surtout. Allez, pète les arbres, pète les arbres, pète les arbres. On est ouf, nous, on rase la forêt.
J'ai mal au doigt, sans déconner, j'ai trop mal au doigt. Allez! Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ok, c'est déjà ça, allez. Au boulot. Ah, il y a P-Beamer là, cool. En fait, il me rejoint en mode guerre. Mes anciens adversaires me rejoignent en mode guerre. Alors, je sais pas trop ce que ça donne, c'est peut-être un super guerrier, super constructeur et tout. Peut-être que c'est un villageois overboosté de la mort qui tue. Je sais pas. Je sais pas trop. On verra bien. Peut-être. Je l'espère. Je l'espère. Allez. Oh, putain, c'est encore du mal à construire. J'ai une petite chute de FPS. J'ai une petite chute. Allez, là. On va pas se casser le cul à tout rabattre. Hein. On va juste développer la plage. Développer, j'ai dit. Voilà, nickel. J'aime quand... Non. J'aime quand tu fais ça. Voilà. Du rapide. Voilà, comme ça. Par contre, il construit que dalle. Il se fout un peu de ma gueule, je crois. Voilà. La rapidité, c'est ça. Parfait. Objectif, send your follower to mine. More gem than the enemy. Hein? Faut les envoyer miner? J'ai pas compris. Ah, c'est ça les mines! Les trucs bizarres, c'est les mines! Putain, je fais comment pour les envoyer miner? Attends. Merde, je croyais que c'était juste une guerre... Oh putain, le con! Alors attends, ok, voilà. À mon avis, je dois avoir un truc, là. Totem. Place totem. Putain, merde. Place totem. Left click to place, right click to move. Ok. 4. Ouais. 4. Allez. Allez, allez. Et moi, en attendant, pendant que j'envoyais mes villageois, je vais les faire chier avec le doigt de Dieu. Tout simplement. Allez, ça mine, c'est bien, c'est bien, ça mine. Est-ce que je peux en envoyer d'autres? Est-ce qu'ils y vont? Ils ont l'air d'y aller, c'est cool. Ouais, c'est nickel. C'est nickel, allez, ça mine, c'est très bien, c'est très très bien. D'accord, donc là c'est plutôt une guerre économique. C'est pas mal, hein, franchement, les petites parties... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment pas mal les petites guerres comme ça, on peut trouver tout, de la guerre économique, de la guerre pure et dure, et de la guerre, voilà quoi. Démographique, allez on envoie tout le monde, hop, allez-y, allez-y, allez-y. Toi tu pars aussi, allez, hop, allez. Pour l'instant je gagne. Ça a l'air plutôt simple, hein, la guerre minière, parce que... Ouais. On les booste un peu. On les booste un peu. Ouais. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Hein. Franchement, là, ça va. Je m'attendais à... En plus, j'ai vu l'objectif en retard, je me suis dit, merde, quel con. Et franchement, là, ça a l'air d'aller. Je suis à 14, ils sont à 7. Pour l'instant, il n'y a aucun problème, quoi. Après, je sais pas, ils parlaient de champion pour l'Armageddon. Pour la guerre, quoi, la guerre sainte. Et si je fais la statue de vitesse, est-ce qu'ils vont miner plus vite? Je me le demande. Attends, déjà, je move le totem, je vais mettre là. Attends. Right click. Hop, voilà. Comme ça, ils vont bien miner partout. Et si je fais la statue de vitesse, est-ce que... Comment je fais? Comment je fais la statue? D'accord, ok, ça remplace un bâtiment. Ok, ok, d'accord. Allez, on récupère les ressources. Normalement, ça les... Je sais pas si ça les fait travailler plus vite. En tout cas, ils se déplaceront plus vite. Voilà, ils ont une espèce d'aura. Bon, allez, un petit doigt de Dieu s'impose.
Allez, foutez le camp! Allez, ça mine, ça mine, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que je peux envoyer d'autres mecs? Non, je pense pas. Il y a déjà beaucoup de monde, hein, de toute façon. Là, je domine l'ennemi. Pour l'instant, tout se passe bien. Ça mine parfaitement bien, il n'y a aucun souci. Un petit doigt de dieu, hop, on les écrase. On les envoie valdinguer. C'est déjà ça, allez. Ah, ils envoient tout le temps du renfort, c'est ça le truc. Après, je vais bouger le totem, encore une fois. Ici. Allez, creusez, creusez, creusez. C'est un concours de minage, quoi, tout simplement. C'est un concours de minage. Avec... je manque un peu de fair-play, mais... Mais ça reste une guerre. Hein. Même si c'est une guerre économique, ça reste une guerre. Allez, on envoie le renfort. Si on a eu des pertes, c'est pas très très grave. Ça a quand même un bon champ d'action, le... La petite statue, là, c'est pas mal, quoi. Pour l'instant, franchement, je les domine. Hein. Il reste 2 minutes. Ouais, ça devrait aller. Par contre, ils ont une vieille maison dégueulasse. Hop, allez, dégage. Ok, c'est cool. On va bouger le totem encore une fois. Move totem. Hop, allez, on va miner par là, les gars. Allez, allez, go, go, go. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Allez. Hop. Vous êtes des dingues. Mineur professionnel. Allez, on envoie les mecs. Allez, allez. Ah, Peblimer, t'étais rentré ou t'étais mort je sais pas. Pff. En tout cas, il y va. Il y va, il y va. Ah, on est déjà à 27 minutes de vidéo. Oh putain, je vois pas de temps passer avec ce jeu, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Allez. Ah, 103 à 41, là, franchement, si c'est pas de la domination, je sais pas ce que c'est. Là, Alors, je sais pas si on peut choisir son mode de difficulté. Options, je vais voir dans les options, alors le volume. Game option. Hein? Name your people. Enter a name. Your follower will be no by. Ah d'accord, ok. Au lieu de follower, on peut choisir le nom. Je ferai ça plus tard. Apparemment, on peut choisir le nom. C'est plutôt cool. Mais il n'y a pas de choix de difficulté ou quoi, parce qu'en fait, moi, j'ai démarré le jeu, quand on le lance, il nous met dans la campagne, mais directement, quoi. C'est en mode rien à foutre. Mais voilà. Je pense que la statue de vitesse a beaucoup aidé, je pense. Franchement, c'est une bonne technique. Voilà, je les ai complètement envahis. Là, ils sont débordés. Ils peuvent plus miner. Là, j'ai envahi tout le minerai. Là, franchement... Non, c'est cool. C'est cool. Par contre, je sais pas trop à quoi ça sert de miner dans la carte de campagne. Est-ce que ça rapporte des ressources? Ah, c'est bon, j'ai gagné. Ah bah là, attends. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné comme carte? Allons-y, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, de la fourrure animale. Bon. Ah, pickaxe, voilà. C'est ça qu'il me fallait pour débloquer le mining. Que j'ai pas encore. Je peux pas encore miner, c'est ça le truc. Hawk, ouais, voilà. Je crois qu'en fait, j'ai développé le mining, ils vont me donner toutes les ressources. Ah, peut-être pas. Non, il me faut encore 2 pickaxes. Et 2 je sais pas quoi. Alors, Science Card, architecture. D'accord. Ok. Bon, bah, ça s'est bien passé. Hein? Moi, je dis, ça s'est bien passé. Alors, on va vite faire regarder les ressources. Les ressources... Town. Alors, il n'y a rien du tout. Bon, bref.
Va voir en haut si ça s'est développé. Ça m'étonnerait, mais bon. C'est pas très grave. Hop. Ah si, ça s'est construit. Bon, ça a pas trop bougé, mais bon. Allez. Allez-y, les gars. Mets le paquet, là, parce que... Ok, donc j'ai du minerai ici que je pourrais miner. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais je le saurai très très vite. Bon, ben voilà, je pense que ça s'est bien passé, hein. On a fait deux petites missions de campagne. Deux ou trois, je ne sais plus. Deux, je crois. On les a réduits en bouillie et battus à plate couture sur le plan économique. On a bien miné comme des porcs. Et voilà. Ouais. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va quand même essayer de développer un peu sur la carte de campagne tout ce qu'il faut, hein. On va essayer de se mettre ici, de refaire une petite ville. Après, par contre, c'est du grand relief, alors je sais pas trop comment je vais faire. Ah ouais, c'est du grand relief après. Hein. Oh là 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 là. Ça va être dur. Même là, il y a une crevasse là, laisse tomber. Ok, bah je verrai bien comment je vais faire, hein, de toute façon. Ah, petite ressource de ville. Ah, your follower need resources. You can get this by playing battle maps. Ok, ouais. Ouais, j'ai besoin de ressources, ouais, pour développer les trucs, d'accord. Ok. Donc c'est tout. J'espère que cet épisode vous a plu, hein. J'espère que ce jeu vous plaît. Même si ça vous plaît pas, dites-le moi dans les commentaires, hein. N'hésitez pas. On sait jamais, hein. C'est pas vraiment le style de jeu. C'est un style de jeu assez différent de d'habitude, en fait. Ah bah pickaxe, voilà. Et de deux. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. Si ça ne vous plaît pas, dites-le moi aussi. Oh, il y a plein de coffres, hein. Putain. Malheureusement, je peux pas le récupérer. Okay. Merde. Allez là, allez, 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 allez. Ah, chiotte, je peux l'ouvrir? Non. Je peux pas l'ouvrir. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, lâchez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, hein, comme d'habitude. Donc un commentaire si vous avez des conseils ou des suggestions ou voilà, tout simplement. Voilà. Et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait pour être au courant des dernières sorties de mes vidéos. Et voilà, bah je te dis bonne soirée ou bonne journée. Et à la prochaine, c'est Azarath, ciao!